Quels sont les points à vérifier pour savoir si son cochon d'Inde est en bonne santé? Mais il y en a plusieurs, et un auquel on ne pense pas forcément, c'est le poids. Parce qu'un cochon d'Inde, vous avez remarqué, ça passe son temps à manger, et dès qu'il commence à être un petit peu malade, il mange moins. Ça se voit pas tellement parce qu'ils ont beaucoup de poils, mais ça peut se voir très facilement si vous avez noté le poids régulièrement de votre animal. Pour ça, c'est tout simple. Moi ici, je prends un pèse-bébé parce que c'est plus pratique, mais ces petits animaux-là, une balance de ménage, c'est parfait. Alors, combien doit peser un cochon d'Inde? Un cochon d'Inde mâle pèse environ 1 kg, 1 kg 100. Une femelle pèse entre 800 g et 1 kg. Donc ce sont des petits animaux dodus, hein, et qui mangent beaucoup. Ensuite, vous allez vérifier plusieurs choses. Déjà, vous allez le prendre gentiment dans vos bras. Vous l'appuyez contre le torse, comme ça il se sent rassuré. C'est important qu'il ne se sente pas trimballé dans le vide. Et puis ensuite, vous allez pouvoir regarder les yeux. On doit vérifier que les yeux sont propres et qu'il n'y ait pas d'écoulement, pas de petite croûte au niveau du coin de l'œil. De même pour les narines, qui doivent être bien propres. On ne veut surtout pas de petits écoulements non plus. Et puis, les dents. Donc vous voyez, les dents, on ne voit pas grand-chose. Quand on baisse la lèvre supérieure comme ça, on se rend compte que les dents du haut sont plus courtes, un petit peu, que les dents du bas, mais pas énormément. Et puis surtout, eh bien, on voit aussi que les dents du bas viennent se mettre bien en dessous des dents du haut. Vous savez sûrement que le cochon d'Inde a des dents ici qui correspondent aux incisives, mais qu'il a des dents également à l'intérieur, qui sont les molaires. Et ça, bien sûr, vous ne pouvez pas les regarder, seul le vétérinaire pourra le faire. Une chose importante à vérifier aussi, c'est l'état du poil, l'état du pelage. Déjà, vous allez regarder si le poil est uniformément réparti sur tout le corps. Parfois, chez certaines femelles qui ont des problèmes hormonaux, il y a des pertes de poils comme ça, sur les flancs. Là, ce n'est pas le cas, le poil est magnifique. Simplement, il y a quelque chose qui ne doit pas vous inquiéter, qu'ont tous les cochons d'Inde, c'est que derrière l'oreille, il y a une toute petite zone comme ça où il n'y a pas de poils. C'est normal, ce n'est pas un champignon, ce n'est pas quelque chose qui doit vous inquiéter. Ensuite, vous allez vérifier l'état de la peau au niveau de l'arrière-train. C'est une zone très sensible chez le cochon d'Inde. Quand ils ont des problèmes de parasites, quand ils ont des problèmes d'allergie cutanée, souvent vous les entendez râler quand vous allez toucher l'arrière-train. Donc ça, s'il se défend vraiment, si la zone est très sensible, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et puis, on va regarder son ventre, voir s'il y a tout le poil qu'on veut sur le ventre. Comme c'est le cas, c'est normal. On va vérifier sa zone anogénitale. Il y a toujours des petites crottes. Là, c'est un mâle. On voit le pénis et les deux testicules. Et puis, on va pouvoir vérifier le dessous des pattes. Vous voyez, c'est toujours un petit peu rouge. C'est normal. Mais les cochons d'Inde qui restent un petit peu dans leurs urines ont tendance à avoir des irritations qui peuvent se transformer en plaies vraiment importantes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. Si votre cochon d'Inde a des problèmes à ce niveau-là, c'est que bien souvent, il reste dans ses urines ou dans ses crottes et qu'il faut changer sa litière plus souvent. Donc vous voyez que ce check-up peut être, peut-être pas quotidien, mais au moins hebdomadaire, que c'est quelque chose de pas compliqué à faire, que le cochon d'Inde peut le tolérer très bien, et ça va vous permettre de surveiller plein de choses et de garder votre cochon d'Inde longtemps en bonne santé avec vous.